Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être là. Donc ce soir, on intervient dans le cadre du Printemps des Poètes. C'est une proposition en collaboration avec Animation Livre et Lecture, donc Amandine qui se cache un peu là-haut, pour la communauté de communes, avec Marion pour la médiathèque, et moi-même pour la librairie Grenouille. Déjà, on voudrait que ce soit une soirée assez conviviale, qu'il y ait de l'échange avec vous. Donc n'ayez pas peur d'intervenir. Pendant la première partie, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude au micro. Pendant la première partie, c'est un peu fort, merci. Donc oui, on veut que ce soit une soirée conviviale, donc n'hésitez pas à intervenir pendant cette première partie. Donc il va y avoir une espèce de table ronde avec les 6 poètes et poétesses qui sont ici. Donc, il suffit de faire un petit signe, on peut vous apporter un micro, voilà, c'est comme à la maison, on est entre nous. Voilà, donc merci encore à vous d'être là. Donc, du coup, voilà, on va faire un petit tour de table, présenter chaque poète, poétesse. Et puis, suite à la petite présentation, ils nous liront un petit bout de quelque chose, c'est ça ? C'est ça. Pour nous mettre en appétit, voilà, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et voilà. Donc moi, je vais commencer par Catherine David, qui est sur le canapé bleu. Voilà. Donc Catherine David, née à Lyon, j'invente pas. Elle a suivi des études de lettres et de philosophie et vit depuis plus de 20 ans dans le Hautalier. C'est ça ? Ouais. Elle est romancière et poète. Elle est également correspondante de presse au journal La Montagne. Et elle va nous lire un petit truc. Quelque chose de très court. D'habitude, je fais long, mais... Regarde. Malgré l'aube, la nuit est là, tapie dans les branches du platane. En lambeaux de nuit, en lambeaux de ténèbres, elle demeure. Et rien, pas même la pluie, pas même le rayon ardent ne la délogeront du creux du jour. Vois-tu ces mèches de nuit qui font des nids funèbres aux étourneaux, dans la douceur froide de l'ombre persistante, les oiseaux perdent le souvenir de leur vie. La nuit demeure dans les branches du platane, tout là-haut. Merci. Ensuite... Non, c'est bon. Jean-Marc Guitti, fauteuil bleu aussi. Donc Jean-Marc Guitti est philosophe et poète. Il vit et enseigne la philosophie en Haute-Loire. Il a entre autres écrit un essai sur Simone Veil, Passage et présence de Simone Veil, État des lieux, Paris, qui met 2021. Il a créé et anime l'association philosophie, présence philosophique. Et il va nous lire un petit truc. Ça s'appelle Monte Maggiore, c'est un... Village corse, station de la parole, village aux lèvres sèches, à l'église en grimace, tourment des venelles, l'élan est à genoux à chaque verre qui casse. Le verbe ne sait plus, à Monte Maggiore, ce qu'il annonce. 12 fois perdu, l'objet du poème, d'un rien n'étant. Ni l'hymne, ni l'aude. Merci. Donc, à mon tour, présenter Chloé Landriot, qui est à ma droite. Chloé est enseignante de lettres au Puy-en-Velay. Elle propose des rencontres libres et conviviales autour de la lecture poésie à la Maison pour tous de Chadrac. Elle défend et mobilise autour de la poésie contemporaine et a déjà plusieurs recueils de poésie à son actif. Bonsoir. Qui suis-je pour dire cela ? Personne. Comme Ulysse et personne crevant l'œil du cyclope. Il faut être personne pour dire ce que j'ai à dire. Je viens. La pointe au feu rougit. Crevez votre paupière unique.
Je viens et nous venons, car je ne suis pas seule. Crevez les poings fermés de votre songe, de votre ivresse. Si la douleur l'emporte, il faut toujours que la douleur l'emporte. À tâtons, vous écarterez le lourd rocher pour appeler. Personne ne viendra. Et la lumière, vous la sentirez sur votre peau. J'écris dans l'espoir que vous cessiez de voir avec votre œil. Merci. Maintenant, c'est Tiphaine Morin que je vous présente, donc qui est à l'extrémité à ma droite. Donc Tiphaine Morin est professeur de lettres modernes. Il vit et enseigne en Haute-Loire, romancière. Elle a publié son premier recueil de poésie en 2022. Voilà, donc je te laisse lire un peu. Un été afghan. Une jeune femme de 22 ans s'enfuit, regarde droit devant. Le pollen des fleurs alanguies s'envole dans le ciel. Elle nous supplie de prier pour elle. Merci. Et je vais terminer avec Anne-Marie Georges Palmrenou. Donc Anne-Marie, professeure de lettres aussi, a vécu de nombreuses années en Nouvelle-Calédonie avant de revenir à Langeac. Elle publie depuis plusieurs années des recueils de poésie. Elle a coutume de dire que la poésie fait partie de sa vie, qu'elle coule dans son sang et la nourrit. Je te laisse lire un extrait. Le poème s'appelle « Comme une croix ». J'ai porté cette maison comme une croix, perdue, et pourtant toujours là, prisonnière des raies des familles, des cris des mille ans, des vents étranges qui font l'amour aux collines, dessinent des vagues de neige sur les chemins de granit, s'enroulent au calvaire, s'engouffrent dans les bois, crachent des flocons amers, amers comme mon sang. Merci. Donc Marion, je te laisse introduire donc ces échanges sur les frontières de la poésie. Ouais. Bon, je suis pas animatrice, donc c'est pas facile, mais je vais essayer de lancer le débat, on va dire. Le thème du Printemps des Poètes cette année, c'était la frontière ou les frontières, frontières avec un S. Ouais. Donc frontière avec un S. Et on a préparé un peu la soirée avec Pascal et on s'est posé quelques petites questions et on se disait que voilà, la poésie aujourd'hui elle est un peu partout au final. On entend parler, il suffit d'ouvrir les yeux, la poésie elle est là, elle est dans nos gestes du quotidien. Donc tout est poésie, la poésie est partout. Et en même temps, la lecture de la poésie n'est pas très populaire, en tout cas en France. Les recueils de poésie, c'est quand même pas ce qui est le plus lu, vendu. Voilà, donc on se faisait cette réflexion-là. Alors que sur d'autres frontières, d'autres pays, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, c'est plus populaire. Voilà, la lecture de poésie, en tout cas, est plus populaire. Alors voilà, pourquoi ? Pourquoi en France ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que notre imaginaire... ne laisse pas la place à la poésie. Je sais pas, question en l'air à discuter. Voilà la première petite question du jour. On peut quand même remarquer que quand des grands acteurs comme Fabrice Lucchini ou André Dussolier, en ce moment, donnent des spectacles sur la poésie, mais c'est en général de la poésie classique, à chaque fois, c'est ça le comble. Alors bon, c'est Lucchini et puis c'est Dussolier, c'est sûr. Mais les gens sortent de ces spectacles complètement ravis, comme figés par la beauté de cette poésie classique, qui
qui elle, a été un peu, enfin, complètement mise de côté, un peu, parce que la libération du vers, la musicalité, sont plus tellement de saison. Mais enfin, quand même, la poésie attire. Il y a des festivals de poésie, hein, qui font aussi à 7, par exemple, qui attirent beaucoup de monde. Mais c'est peut-être la lecture d'un recueil qui est une sorte de barrière. Alors, parce que ça, enfin, l'autre jour, enfin, je raconte un peu mieux. Mais l'autre jour, j'étais cabinet à la maison de santé. J'attendais de voir mon médecin et j'avais apporté Valérie et Paul Valéry. Je voulais relire le cimetière marin et puis je suis restée sur la première page. L'attente a duré, hein, pendant 25 minutes et il y a une dame à côté de moi, elle me regardait, puis elle comprenait pas pourquoi je tournais jamais la page, en fait. J'étais toujours sur la première page, et puis elle me regardait, elle. Et bah oui, parce que j'aurais pu rester sur cette première page encore bien longtemps. Voilà, c'est ça, la poésie, on peut rester très très longtemps sur quelques vers. Je vais rebondir sur deux choses que tu as dites. Tu as parlé du festival de poésie de Sète, qui est très important, mais il y en a un autre qui est extrêmement important et qui se passe pas très loin de chez nous, puisque c'est en Haute-Loire, c'est à la limite entre la Haute-Loire et l'Ardèche. C'est le festival du Chambon-sur-Lignon, qui a lieu chaque année depuis 30 et quelques années, je crois. Et vraiment, c'est un endroit où il faut absolument aller. Voilà, bon, tu disais aussi que on parle beaucoup. En fait, pour moi, je trouve que la poésie, le problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est que la poésie se vend mal. Par contre, on se lit entre nous, on est assez. Je trouve qu'on ne va pas assez vers les gens, on ne va pas. C'est justement, cette soirée, elle est assez extraordinaire parce qu'on va vers le public, mais je trouve qu'on ne fait pas l'effort de se faire connaître, les manifestations. Et c'est vrai que aussi il y a au Portugal, comme tu disais, en Italie, c'est beaucoup plus présent, c'est beaucoup plus vivant. Moi, ce qui me semble, quand j'entends un peu parler mes amis, ils me disent, mais tu sais, ça ne nous parle pas beaucoup, parce que vraiment, avant, on pouvait s'appuyer sur les vers, on pouvait s'appuyer sur la rime, on pouvait comprendre la musique, et là, vraiment, c'est complètement déstructuré, on a l'impression qu'on est bête quand on lit ça, qu'on ne comprend rien, qu'on n'est pas ouvert, et bon, je crois que ça aussi, peut-être il faudrait faire un effort pour essayer de se faire comprendre, aller plus vers les autres. Et puis, je crois aussi qu'il faut parler aux gens de quelque chose qui les touche. Il ne faut pas non plus toujours croire, il ne faut pas non plus, quand on lit un poème, se dire « Ah, je ne comprends rien ». Il faut accepter de ne pas tout comprendre. Ce n'est pas important de tout comprendre. L'important, je crois, c'est de laisser venir, pour mieux comprendre cette poésie contemporaine, c'est de laisser venir les images à vous. Quand vous lisez un poème, il ne faut pas le lire qu'une fois d'abord. Et tu disais aussi qu'il fallait lire plusieurs fois, que tu passais du temps sur une page. Et c'est ça, il faut le lire au moins trois. Moi, je dis au moins trois fois, je disais à mes élèves. Et là surgissent des images et on se met petit à petit à comprendre, et surtout ne pas se dire qu'on veut tout comprendre et qu'on veut savoir ce que l'auteur a à dire, parce que c'est pas important ce que l'auteur a à dire. L'important, c'est la façon dont vous recueillez, vous êtes réceptif du poème, quoi, de ce que vous avez lu. Voilà. Si je voulais. Et comment aller vers les gens? Des poèmes sur les étals du marché au Puy-en-Velay. J'allais photocopier 100 fois le même poème, et puis je laissais 5 exemplaires chez la marchande de légumes, 5 exemplaires chez la marchande de pâtes, 5 exemplaires chez les 3 marchands de fromage. Et voilà. Et des fois, quand les poèmes n'étaient pas partis, ben,
un poème, c'est pas un prospectus, quoi. Donc les gens, ils les jettent pas, en fait. Donc en fait, ils les remettent sur l'étal la semaine d'après. Et quelquefois, ils finissent par tous partir. Et puis quelquefois, bah, du coup, les gens, ils me connaissaient, alors que moi, je les connaissais pas, parce qu'ils avaient déjà lu mes poèmes. Et voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut... Tout à l'heure, Pascal me parlait de... J'ai le droit de divulgâcher ou pas des contraventions. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, vous allez peut-être recevoir des contraventions poétiques. Et bah, je pense que c'est typiquement le genre de choses qu'il faut faire. Il faut offrir... la poésie, elle est gratuite, en fait. Nous, on n'a rien demandé pour qu'elle nous vienne. On en écrit, mais on n'a rien fait pour ça. Et elle n'est pas là pour qu'on la garde pour nous, elle est là pour qu'on la fasse partager aux autres. Donc, voilà, le problème, parfois, c'est l'énergie, le temps que ça demande. Quand je fais mon marché, je ne pense pas toutes les semaines à laisser un poème, j'en ai pas toujours un à laisser. Mais vraiment, je crois que c'est ça. Il faut y aller, il faut les mettre, ces poèmes, là où les gens pensent qu'ils n'ont rien à faire, surtout là où les gens pensent qu'il y en a, que la poésie n'a rien à faire. Voilà, donc je suis psychomotricienne à l'EHPAD et en ce moment, avec mon recueil de poèmes dans ma poche, j'offre des poèmes à toutes les personnes que je soigne, mais aussi ça peut être dans un couloir, je m'assois à côté d'une personne âgée et je lui dis est-ce que vous voudriez écouter un poème? Et souvent, et elles disent oui, et après, elles sont souvent émerveillées et elles aiment ça. Après, je lis de la poésie classique. Parce que effectivement la poésie plus contemporaine les perd en fait et ils comprennent pas et ils sont pas dans cette démarche. Je pense que ce serait tout un travail pour les sensibiliser à cette poésie contemporaine, mais voilà, c'est déjà une petite chose et c'est ça en fait, comme tu disais Chloé, c'est apporter un poème un peu de façon surprenante aux gens et quand ils s'y attendent pas. Voilà. Merci. Puisqu'on parle de frontières, c'est un peu le maître mot ce soir. C'est vrai qu'il y a une frontière à franchir, je pense, pour aller vers la poésie. D'ailleurs, la poésie s'est elle-même construite dans son histoire autour du vers, et ça n'a rien à voir avec la prose. Mais la poésie moderne, elle est sortie de cette frontière, de cette prison du vers, si on peut dire. Et puis, mais c'est pas pour autant qu'elle est plus simple à lire, en fait. Il y avait dans le vers une sorte de confort. Et donc, c'est vrai qu'elle s'est peut-être un petit peu coupée du grand public. Mais aussi, à mon avis, une autre raison, c'est que le poète est quand même... un peu secret, et que ce qu'il avoue à demi-mot dans ses poèmes, il n'a pas forcément envie, lui, d'aller le porter vers les autres. On parlait de Valérie, hein. Il n'aurait pratiquement pas publié si ses amis n'avaient pas été là à lui tirer les feuillets. Et donc il faut faire avec cette timidité, ce secret du poète, et il faut... qu'il se sente en confiance, sans doute, pour aller divulguer ce qu'il a écrit. Et puis, j'ajouterais pour finir qu'il y a la poésie en France, mais quelle France ? On parle de cette, c'est-à-dire qu'il faut même se souvenir que l'histoire de la France s'est faite sur une domination du Midi qui était le foyer poétique, hein, parce que la grande poésie italienne, elle est partie de la poésie occitane. Et donc, c'est pas pour rien qu'on a un Midi peut-être plus spontanément poétique en France que... Voilà, ça, c'est des considérations générales. Avant tout, c'est de la musique. Et à l'origine, d'ailleurs, il n'y avait pas de distinction entre poésie et musique, donc ça m'a beaucoup parlé, ce que vous dites. Et je crois qu'on est un certain nombre parmi nous à être aussi enseignants. Et on voit que, quand on aborde le sujet de la poésie avec nos élèves, en tout cas, moi, c'est mon cas, je ne sais pas si vous partagez cette expérience, que ce soit avec les collégiens ou avec les lycéens, ils ont tout de suite une sorte d'a priori négatif, je ne sais pas si c'est exactement l'expression qui correspond, mais il y a un temps de refroidissement, et ils ont un petit peu cette idée
tout jeune que la poésie, c'est un truc d'intellectuel, c'est des textes à apprendre par cœur, c'est ennuyeux, des fois c'est poussiéreux, enfin voilà, toute une série de clichés. Et il me semble, d'une part, que tous les enfants ne sont pas éduqués dans cette idée-là, dans toutes les cultures. Et on a du mal à leur faire passer l'idée que, comme vous le dites, la poésie à l'origine c'est de la musique. Et alors après, d'où ça vient cette dissociation un peu artificielle en fait qui s'est créée entre les deux, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ça en tout cas. Mais voilà, je trouve que vous pointez quelque chose d'intéressant. Et j'entendais ce que les uns et les autres disaient tout à l'heure sur les différentes initiatives autour de la poésie qui étaient proposées ici et ailleurs. Et ça me paraît très intéressant, notamment le fait que voilà, cette idée qu'il faudrait revenir à la poésie récitée, au partage, ben je pense que c'est important, voilà, de rappeler que la poésie, avant d'être un texte écrit, ça se lit, ça se récite, ça se chante. Et ça peut se chanter encore toujours, je crois. Je voudrais... je ne sais plus comment je voulais le dire. Mais ce n'est pas parce qu'une poésie n'est pas écrite en vers ou qu'elle est écrite en vers libre, qu'elle n'est pas musicale ou qu'elle n'est pas faite pour être oralisée. Et moi, j'en ai fait deux expériences. Une personnelle, j'avais lu des poèmes pour le Forum de la gratuité, donc encore un endroit où la poésie n'était pas attendue et où on nous avait demandé de venir faire des petits intermèdes poétiques très courts. Et en fait, il y a des gens qui sont venus me voir après et qui m'ont dit « Mais en fait, moi je pensais que je n'aimais pas la poésie, mais c'est parce que j'en avais jamais entendu. » Et l'autre anecdote, c'est un poète lyonnais qui s'appelle Grégoire Damon, qui écrit sur Le Quotidien. Et récemment, je feuilletais un de ses recueils qui s'intitule Mon vrai boulot, et qui parle de son travail à McDo. Et quand j'ouvre le recueil, je me dis, ah ouais, c'est vraiment de la poésie en fait. Mais quand je le lis avec mes yeux, j'ai pas tout. Et un jour, j'ai écouté Grégoire lire dans un café, avec une contrebasse à côté de lui pour faire le rythme. Et là, ça n'avait rien à voir. Et avec sa voix, avec sa rythmique à lui. Et à la fin, il a dit, en fait, j'ai raté ma carrière, moi je voulais être chanteur de rock. Bah oui, en fait, quand on l'entend dire ses poèmes, on comprend où il est, le chanteur de rock. Donc c'est pas parce qu'une poésie n'est pas en vers régulier avec des rimes qu'elle n'a pas de musique. Oui, tout à fait. Mais ma question était, pourquoi vous interdisez-vous d'eux ? Ah, mais je crois que personne ne s'interdit rien. Il y a encore des gens qui écrivent des alexandrins. Aucun d'entre vous n'a présenté des vers réguliers. C'est pas une surprise, en fait. Non, mais parce que je pense qu'il faut écrire ce qui est nécessaire. Et que si ça n'apparaît pas nécessaire, on ne l'écrit pas. Oui, tout à fait. Une histoire de régularité qui s'autorise à utiliser, je ne sais plus si c'est exactement l'alexandrin ou un autre type de vers régulier, c'est Michel Houellebecq, par exemple. Mais après, n'est pas Michel Houellebecq qui veut, quoi qu'on pense de lui, hein, indépendamment de ses idées, etc. Et je pense aussi, voilà, j'ai pas trop de complexe à dire, que chez beaucoup d'éditeurs de poésie, il y a un certain snobisme avec cette idée que... voilà, la poésie est élitiste et il y a une sorte de recherche de l'originalité à tout prix, peut-être. Je ne saurais pas trop comment exprimer ça, mais il y a chez beaucoup d'éditeurs de poésie un certain snobisme en France, en tout cas. C'est un académisme contemporain. Pardon ? C'est un académisme contemporain. Oui, oui, vous avez raison, oui, quelque part. Et ça passe en particulier par cette obligation du vers irrégulier ou déstructuré. Et comme vous dites, c'est une sorte de nouvel académisme, peut-être. Mais... C'est le
C'est le cas. Merci. Je peux passer la parole à monsieur qui attend la parole de vous. Oui, j'aimerais revenir sur un sujet qui a été à peine effleuré, mais ça a été quand même indiqué. C'est aussi peut-être tout simplement ce qui concerne quelle est la place de la poésie, et j'aimerais que vous, qui êtes la plupart des enseignants, puissent me répondre par rapport à ça. Quelle est la véritable place de la poésie aujourd'hui dans l'éducation? Est-ce que vous vous sentez soutenu par, je dirais, l'institution éducative en France? Est-ce que vous êtes des pionniers isolés pour faire valoir la poésie et vous êtes bien placé vous pour ça? Il me semble que déjà cette distance qui s'est installée entre le grand public et la poésie, c'est peut-être aussi celle qui provient du fait que on apprend à aimer ce qu'on a appris à connaître. Alors, est-ce que véritablement aujourd'hui en France, l'éducation laisse une place importante dans l'enseignement, et vous serez bien placé pour me répondre, à la poésie? Voilà. On a de la poésie dans nos programmes, donc on a toute légitimité à l'enseigner. Depuis le temps que Jean-Pierre Siméon nous prescrit de dire un poème par jour à nos élèves, je pense que les enseignants qui ont envie de le faire le font. Peut-être que ce qui nous manque, c'est du temps pour faire écrire de la poésie. Je pense que les enfants sont toujours mis en position de récepteurs, de recevoir cette parole qui vient d'en haut, que peut-être même l'école peut être l'ennemi de la poésie quand on l'aborde sous l'angle de l'explication de texte et qu'il faut repérer les figures de style, compter les syllabes, repérer les rimes, on fait beaucoup de formalisme et on oublie l'émotion quand même dans l'histoire. Et je pense qu'on ne propose pas assez aux enfants d'écrire. Et je pense que la poésie gagnerait des lecteurs si on avait du temps. Mais ça demande du temps. Faire écrire, ça demande vraiment du temps. Et voilà, ça fait peur aux enfants. Donc ça veut dire aussi apprivoiser cette peur pour leur permettre d'écrire. C'est ce qui me vient en tout cas. C'est vrai en littérature aussi, les enfants, ils apprennent plus à décortiquer qu'à écrire, faire des écritures créatives, quoi. Après, moi, je voudrais juste ajouter quelque chose. Je voudrais pas. Je ressens le procès des éditeurs en France. Non, je vais continuer de les défendre. Il y a des éditeurs qui font un gros travail en poésie. Si vous trouvez, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez l'évoquer, mais. Je pense que c'est comme tout, aujourd'hui les choses vont vite, les choses évoluent, le public est aussi consommateur, donc ils sont partagés entre ce qui les touche, ce qu'ils voudraient éditer, ce qui se vend, parce qu'on parle aussi de vente quand on parle d'art un peu édité, il y a vraiment des éditeurs qui font un gros travail pour que la poésie garde une place. Donc, au fond, on ne peut pas généraliser et dire qu'en France, tous les éditeurs ne s'intéressent pas à la vraie poésie. Et je pense que de toute façon, l'art littéraire de la poésie évolue comme tous les arts. Alors, on a envie ou on n'a pas envie, on est content de l'évolution ou pas, mais aujourd'hui, même si je suis d'accord, puisqu'on l'a préparé, que la poésie n'est pas beaucoup lue, ne se vend pas beaucoup, elle est plus, comme disait Cathy, poésie spectacle, en même temps, il y a vraiment des propositions, et si on prend un peu de temps, si on est un peu curieux, il y a une offre qui est considérable. Voilà. Moi, j'en ai envie d'ajouter, c'est pas du tout sur les éditeurs que j'ai envie de taper, parce que je connais que des éditeurs passionnés qui, je pense, laissent plus d'argent qu'ils n'en font avec les poèmes qu'ils éditent. Par contre, je m'interroge sur les médias en général. Je me dis, si sur les rues. Enfin voilà, on a régulièrement des rubriques pour vous présenter telle exposition, telle pièce de théâtre.
dans les émissions de grande écoute, les acteurs sont invités pour présenter le prochain film qui va sortir. Et bien peut-être que si on faisait la même chose avec des poètes, ça prendrait un petit peu. Et justement, tu viens de me faire penser à quelque chose. Je ne citerai pas Télérama, mais leur magazine, par exemple, sur la proposition de livre qui est faite, il y a un petit encart même pendant le printemps des poètes qui est minime, où on n'a aucune poésie contemporaine, pratiquement. Voilà. Donc, voilà, on ne participe pas non plus à la ronde populaire. André Dussolier se plaignait parce que, bon, quand il sort un film, il est sur tous les plateaux, et pour son spectacle de poésie, il n'a pas trouvé en faire de la publicité. Pascal, je te disais l'autre jour qu'il y a un livre de poésie contemporaine qui va être l'année prochaine au programme scolaire. Tout à fait. C'est publié par Bruno Doucet, mais je ne sais plus. Les forêts de Hélène Lang. C'est ça. Tout à fait. Donc ça, c'est la première fois que les forêts. Oui, tu as raison. Donc ça, c'est quand même encourageant. Et par rapport aux éditeurs, on parlait tout à l'heure des références du Cyclope, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai senti que pour certains éditeurs, plutôt que de vouloir un changement de style dans la forme, c'est plutôt qu'ils voulaient un petit peu se démarquer de la poésie à référence, justement. Ou si on n'a pas les clés, si on n'a pas les références, si on n'a pas la connaissance générale, la culture générale, on ne comprend rien, quoi. Et cette poésie, elle a quand même existé. Je pense qu'elle a vraiment poussé beaucoup de gens à se dire, mais non, j'y comprends rien, je ne sais pas de quoi elle parle. Donc des mots savants, des références savantes, souvent avec de la mythologie, etc. Voilà. Mais... Donc les éditeurs ont essayé de, je pense certains, ont essayé de se démarquer de ça en ayant une poésie plus imagée et musicale, oui. Et moins dans les... Peut-être, mais Jacques le disait tout à l'heure, on n'a pas bien dit ce que c'était que la poésie. Je pense qu'il ne faut pas établir une frontière justement étanche entre ce qu'on appelle la prose et la poésie, parce que dans beaucoup de livres de prose, il y a de la poésie, hein. Par exemple, Bobin, c'est un poète, pour prendre quelques grands contemporains, Quignard, il écrit c'est un poète aussi, donc voilà, ceci dit, sur le monde de l'édition, c'est vrai qu'il y a quelques éditeurs qui ont beaucoup de courage d'ailleurs, et c'est bien de leur rendre hommage. Mais il faut reconnaître que le monde de l'édition, ces 10 dernières années ou 15 dernières années, s'est complètement métamorphosé, que ce sont de grands groupes très commerciaux qui se sont formés, et donc qu'on fait des produits qui se vendent, et qu'on est entré dans une littérature de genre, avec des codes bien particuliers, bien précis. Je pense que les poètes ont intérêt à trouver des éditeurs plus discrets, mais qu'ils ne peuvent pas prétendre à une audience aussi grande que ce que permettent les éditeurs très commerciaux. Concernant le slam, on manie des mots, il y a un rythme, etc. Est-ce que c'est pas cette tendance qui n'en est pas du tout sur les mêmes... Est-ce qu'on peut parler du slam, de la poésie, une forme de poésie aussi, non, contemporaine, non? Oui, mais la poésie est partout, et en prose, il y a des tas de prose poétique. Moi, la question du vers se pose et ne se pose pas du tout, quoi. Et d'autre part, la musicalité des mots est différente de celle de la musique elle-même, mais pourtant, il y a une correspondance qui se fait entre... Hein, il y a la poésie en philosophie aussi, les systèmes philosophiques, enfin les pensées. Moi, je pense que la poésie, c'est pas la poésie, mais ce qui est poétique partout. Ce qui peut être poétique partout. Et c'est ça qu'on devrait enseigner, de pouvoir enseigner. La langue, enfin les mots, par exemple. Alors les mots musique ou les mots pas en musique, les mots lus et à haute voix et ce qu'on a dans la tête comme ça. Bon. Je trouve que tu as très bien répondu.
tu as très bien répondu. C'est bien. C'est très bien. C'est pas la peine de dire plus. Il faut dire dedans. Bon. Je me retourne un peu vers toi parce que ce que j'aurais voulu qu'on aborde maintenant, puisqu'on est sur nos frontières, donc c'est la frontière justement entre la poésie et la philosophie. Où est-ce que les deux se rejoignent? Est-ce que pour toi il y a quelque chose? Parce que en même temps, sans répéter ce qu'on a déjà dit, ces deux arts qui ont aujourd'hui un peu de difficulté au grand public. Je pense que tu es d'accord déjà avec ça? Oui, parce que ça se pratique plus en cercle, ça exige une sorte d'amitié. Voilà. Mais sinon, moi je crois que la poésie, le thème de la frontière, il est finalement assez intéressant, parce que la poésie, elle est toujours à la frontière. Elle est à frontière avec la peinture, puisque la poésie sont des mots qui font voir. Elle est à frontière avec la musique, puisque la poésie sont des mots qui chantent. Mais elle est aussi à frontière avec la philosophie, parce que ce sont des mots qui pensent, ou qui font penser. Alors, ça dépend quelle poésie. Il y a chez les poètes toute une grande tradition de poésie méditative. Hein. On pense à Rilke, par exemple, et tout ce qui s'ensuit. Mais aussi, je crois qu'il faut le prendre un peu à l'inverse, c'est-à-dire que les poètes ont beaucoup intéressé les philosophes. En tout cas, à partir du XXe siècle, vous avez de grands philosophes, comme Heidegger ou d'autres, et qui construisent des livres entiers autour, en méditant autour de quelques vers de Hölderlin, autour de quelques vers de Rilke. Donc, ça va dans les deux sens, et ça fait un peu écho à une époque lointaine, mais qui habite toujours notre imaginaire, qui est l'Antiquité, où on avait des grands, où la philosophie s'écrivait en vers, chez Héraclite, chez Parménide. Et rien n'empêche, vous avez des poètes très spéculatifs. Je ne veux pas multiplier les références, mais Queneau, par exemple, c'est un poète qui a écrit une cosmogonie en vers, encore en plein XXe siècle. Et donc, la différence peut-être avec écrire de la poésie ou écrire de la philosophie, c'est qu'il faut, en poésie, il ne faut pas que ce soit trop clair. On le disait tout à l'heure, une poésie, c'est vous, madame, qui le disiez, il s'est fait pour être lu plusieurs fois. C'est comme un fruit, il faut le presser, ça ne vient pas tout de suite. Alors qu'un essai philosophique, on essaye d'être aussi clair que possible. Alors qu'en poésie, l'idée doit être en quelque sorte voilée, et c'est au lecteur d'aller la chercher. Moi, il me semble, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais il me semble que la poésie, comme la philosophie, poursuivent le même but, c'est-à-dire savoir d'où je viens, où je suis et où je vais. Et c'est une certaine recherche de la vérité, même si la vérité, c'est un idéal et qu'on ne l'aura jamais. Mais à partir du moment où le poète déstructure la phrase, il donne une idée du réel, il agrandit le réel, il en donne une idée peut-être encore plus précise, il est encore plus, puisqu'il lui donne des différentes acceptions, différents. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Moi, je trouve que c'est la recherche de la profondeur. Oui, mais c'est aussi, il donne une autre dimension au réel. Le poète, il a le réel, et puis justement parce qu'il va chercher plus loin, parce qu'il va, il lui donne une sorte d'infini au réel, qui est, en fait, plus on va loin dans le réel, et plus on est près de la vérité, même si la vérité, on l'aura jamais, il me semble. Est-ce que c'est clair? Oui, la recherche de toutes les profondeurs possibles et dans tous les sens. Le rôle, oui, le c'est ça, c'est ce que disait Rimbaud. Hein, c'est une déstructuration de tous les sens. Et... Je sais pas, est-ce que. C'est l'harmonie, enfin, c'est la recherche de l'harmonie du sens et du son. En fait, le poète,
il agrandit la dénotation et la connotation des mots. Il fait se frotter les mots les uns aux autres, et en se frottant, on donne une autre dimension. Et puisqu'on donne une autre dimension, on voit d'une autre façon le réel, on lui donne, j'allais dire, plus d'ampleur, plus de... voilà. Je vais donner la parole dans le public. Merci. Alors, je trouve votre discussion absolument passionnante, et je voudrais vous demander ce que vous pensez des frontières entre la science et la poésie. Alors, je n'ai pas encore beaucoup entendu parler de science. J'ai entendu parler de philosophie, et ça n'est pas par hasard que philosophie et science se rejoignent. Je voudrais vous donner deux exemples. Je dois dire que je suis scientifique dans toute la rigueur, le travail près du réel que vous avez beaucoup évoqué, que cela demande. Et je dois dire que d'une part, si j'ai fait de la science, c'est parce que j'ai été nourrie de poésie pendant ma formation, pendant ma formation, mes études secondaires, et que je suis tout imprégnée de la poésie classique, et qu'en même temps, ça m'ouvre à d'autres formes de recherche dans la poésie. Et la deuxième chose que je voudrais dire en tant qu'exemple de frontière, c'est par exemple Goethe, quel biologiste, à un moment ou à un autre, ne se réfère pas au poème de Goethe. Et quand j'arrive, après avoir travaillé pendant des années et des années sur un sujet, quand j'arrive aux frontières de ce sujet en abordant des choses très réelles, eh bien, il faut qu'à un moment la conceptualisation se réalise. Eh bien, je pense qu'elle ne se réaliserait pas sans la poésie. En fait, vous avez très bien résumé ce que j'ai voulu dire aussi. Merci Marie. C'est très intéressant, oui, ce que vous dites. D'abord, il y a beaucoup de savants, et je pense à Hubert Reeves, parce que c'est un des plus connus. Patience dans l'azur, c'est un vers de Valéry, c'est quelqu'un qui est pétri de poésie, cet astronome. Ce qui fait le point commun, peut-être, c'est l'étonnement. Il faut avoir pour faire une grande découverte, il faut avoir une capacité à s'étonner sur l'univers. Einstein est un grand exemple de ce côté-là. Et le poète, lui, il se tient au point d'étonnement par rapport au monde, qui fait que de ce point d'étonnement, l'une des grandes paroles de Cocteau, c'était « étonne-moi ». La poésie, c'est d'étonner, être étonné par le visible, en l'élargissant, en montrant qu'il y a derrière la réalité peut-être quelque chose d'une surréalité. Ben, c'était la grande option des surréalistes. Mais c'est aussi derrière cette... le poète doit étonner par l'agencement des mots. Par exemple, vous avez, et puis vous entendrez tout à l'heure de nouveau Jacques ici présent, c'est tout à fait étonnant la manière dont il met les mots les uns à côté des autres. Ce n'est pas habituel. Et donc, voilà, je voulais mettre en avant le mot d'étonnement pour faire le lien entre science. Oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. On ne cherche pas vraiment à étonner quand même. On est en quête de la musique, de cette musique. Et moi, c'est une musique, mes mots un peu comme le latin, un petit peu, les mots un peu inversés, c'est une raison musicale et aussi une quête de l'invisible, de ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que c'est que le réel? Le réel des scientifiques, le réel des poètes, c'est pas le même, je crois, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a l'étonnement, la recherche, la quête, quoi. Oui, ça marche. Alors, deux remarques. Je voudrais revenir sur ce que
rapport entre la science et la poésie. C'était très touchant, je trouve. Et alors, je vais faire un petit peu de publicité pour un poète qui n'est pas là ce soir, mais qui n'en est pas moins très intéressant. Alors, il a été publié aux éditions Bruno Doucet, justement, et peut-être que je vais un petit peu écorcher son nom, c'est l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet, ou Luminet. Je ne sais pas si ce nom vous évoque quelque chose à certains d'entre vous. Alors, il a travaillé, me semble-t-il, sur la matière noire, et il a publié tout récemment, à ma connaissance, son premier recueil de poèmes qui s'appelle « Un trou énorme dans le ciel » à la suite du décès brutal de sa fille. Et alors il explique en substance dans son recueil qu'il n'a trouvé aucun réconfort et aucune réponse à cette tragédie dans la science. Et de ce fait, il s'est tourné vers la poésie, qui lui a apporté je ne sais pas si le réconfort, c'est un mot très approprié face à un événement comme celui-ci, mais le fait de pouvoir poser des mots sur son désarroi lui a apporté quelque chose. Et alors j'aurais une question pour notre philosophe. Alors je me demandais en fait au fil de la discussion si on parle de frontières entre poésie et philosophie. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas penser les choses autrement et se dire, par exemple, qu'il y aurait des esthétiques communes à certains poètes et certains philosophes? Je ne sais pas si ma question est très claire. Oui, ça. Par exemple, Valéry et Bergson, ils vont ensemble. Mm-hmm. Parce que la philosophie de Bergson fait fond sur le même réel qu'a cherché d'une certaine manière à capter Valéry par la poésie. Mm-hmm. Mais on aurait beaucoup d'autres exemples. Schopenhauer, qui est ce grand philosophe du début du 19e siècle, Maupassant est pétri de Schopenhauer. Enfin, il y a des. Et Houellebecq aussi, d'ailleurs. Mm-hmm. C'est sa grande référence philosophique. Donc, à partir de certains philosophes, peuvent apparaître des disciples poétiques, des poètes comme disciples. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de. Mm-hmm. J'aurais voulu rebondir encore sur la question de la science et de la poésie. Quand j'étais au lycée latiniste, on me faisait traduire le De Natura Rerum de Lucrèce et j'étais frappée par le fait qu'on pouvait écrire un traité de science en poésie. Et ça a dû rester quelque part dans un coin de mon esprit. Et puis, il y a quelques années de ça, j'ai commencé à écrire un récit de la création du monde en poésie. Parce que j'avais le sentiment qu'il n'y avait que la science et la religion, enfin c'est pas vrai, il y a les contes, il y a plein de choses, mais voilà, qu'en ce moment, les récits de la création, ceux qui dominaient, c'était soit le récit religieux, soit le récit scientifique pur et dur. Et je me disais, il manque quelque chose entre les deux, et ça m'a donné envie d'écrire ce texte, que j'aurais jamais osé faire si j'avais su que Supervielle et André Chédid l'avaient fait aussi, parce que ça m'aurait trop impressionnée. Mais comme j'étais ignorante et que je ne le savais pas, j'ai écrit. Et pour continuer sur le... Pour moi, la poésie, c'est une sorte de chaînon manquant entre la science et certaines oreilles. Et je pense beaucoup, beaucoup au fait que tous les scientifiques du monde entier en ce moment nous crient quelque chose que personne n'entend. Et je pense que c'est parce que nous ne sommes pas faits pour entendre avec notre raison. Enfin, quelques personnes sont faites pour entendre avec leur raison résonante et entendre très bien. Mais beaucoup d'entre nous sommes faits pour entendre avec notre corps et avec nos émotions. Et si personne ne parle à nos émotions, nous n'entendons pas. Et il faut que les poètes s'emparent de ce que disent les scientifiques, sinon le message n'arrivera jamais. Merci.
le temps passe, donc comme on va bientôt arriver au bout de cette première partie, Marion, je vais te laisser introduire la dernière question. Oui, du coup, voilà. Le micro, c'est... En fait, on avait envie que vous abordiez une autre frontière, et cette frontière, c'est une frontière plus intimiste, en fait, celle de votre écriture. Voilà, lieu de créativité, durée, régularité, voilà, comment vous travaillez, où, on veut tout savoir. Je vais faire le lien avec ce qu'a dit Chloé il y a un instant, parce que c'était très, très joli. On écrit principalement dans nos ignorances. Parce que quand on sait quelque chose, qu'on l'a compris, j'ai l'impression qu'on n'en écrit plus. Et on écrit dans nos ignorances. Et pour ce qui est de mon cas personnel, donc je dirais que, par exemple, je peux écrire de la philosophie si je décide de faire sur tel ou tel thème, parce que c'est volontaire, c'est une écriture volontaire. Par contre, la poésie, elle frappe à la porte. Ça ne peut pas être un projet. Enfin, pour moi, je ne me suis jamais dit j'ai le projet d'écrire un livre ou un poème. C'est plus fort que soi, ça vient. Chercher quelque chose qu'on n'a pas encore pensé. Je reprends ce que tu dis. Bon, c'est tout à fait la même chose. En fait, c'est la poésie, je suis incapable de me lever le matin en me disant « tu vas écrire un poème aujourd'hui » ou « non, c'est pas du tout quelque chose comme ça ». Il m'arrive des fois de rester un mois, deux mois sans pouvoir écrire de poésie, parce que je n'habite pas en poésie. Et il y a des moments, j'appelle ça moi la grâce, il y a des moments de grâce où c'est plus fort que moi, et là je peux écrire toute une journée ou je peux écrire toute une nuit. C'est vraiment des... Alors que quand j'écris des nouvelles, c'est quelque chose de vraiment... Je m'astreins à un travail, à ma table, je me donne le matin, je me donne tant de temps, parce que c'est très structuré, il faut que ce soit très structuré. Alors que la poésie, elle vient de moi, elle est voilà, c'est la même chose qu'on dit tous les deux. Oui, ben, je vais rebondir sur ton témoignage. Parce que ça va exactement dans le même sens. J'ai une pratique du roman depuis une petite quinzaine d'années. Et ce n'est pas du tout la même chose. J'ai presque l'impression de ne pas être la même personne quand j'écris du roman et quand j'écris de la poésie. Le roman, ça, pour moi, ça demande une certaine discipline, un plan. Ça peut avoir une dimension même parfois assez scolaire. Et la poésie, c'est, je vais pas être très originale, puisque je rejoins exactement ce que vous avez dit tous les deux, vous l'avez très bien dit, et voilà, j'ai le même ressenti, je n'ajouterai rien à ce que vous avez dit, je trouve que c'était très bien formulé. Au sujet de, tu parlais des lieux qu'on peut créer. J'ai remarqué que le mouvement, parfois j'écris avec un papier et un crayon, mais ça m'est aussi arrivé très très souvent que le poème vienne en marchant ou en faisant du vélo ou dans un bus, à l'époque où je prenais beaucoup de bus dans la banlieue lyonnaise, et je crois qu'il y a quelque chose d'un mouvement externe qui vient entrer dans le corps et qui nourrit l'écriture. Voilà, c'est pas l'écriture de la poésie, effectivement, c'est pas forcément une écriture à une table. Ben, moi, j'écris une table. pour moi, ça commence par une vision, en fait, une image intérieure, quelque chose de très, très concret, finalement. Et puis cette vision, elle porte une idée et après ça se développe lentement. J'ai l'habitude d'écrire mes textes d'abord en prose pour justement aller un peu dans tous les sens, chercher à ce moment-là tout ce que j'ai à dire. Et puis après, c'est un travail de décantation et un travail musical.
poésie, c'est, enfin, écrire, c'est quelque chose de permanent, pas toujours en écrivant. Pas toujours en écrivant. Tout est contemporain pour moi dans ce que j'ai en tête, dans ce que mes rapports avec le visible et l'invisible, surtout. Voilà. Et donc, c'est tout le temps et c'est nul. C'est jamais, c'est. Et ça se construit tout seul, effectivement, mais avec moi. C'est une quête. C'est tout. Oui, je voulais. Attends, je voulais juste. Parce que je trouve ça beau, mais je ne sais plus qui a dit ça. Un poème, c'est un lieu où les esprits peuvent se rencontrer. Je trouve ça beau. Merci. Merci. Du coup, c'est un peu le mot de la fin de cette première partie, je pense. Donc, si personne n'a une petite question immédiate, non. Je voudrais qu'on aborde les frontières entre. Alors, on en a parlé un petit peu avec la musique, mais avec les autres, avec l'illustration, avec le cinéma, avec la danse. Est-ce que vous avez des expériences dans la réception de votre poésie? Est-ce que vous avez essayé de travailler, de dire avec des danseurs, avec des danseuses, avec des. Travailler avec des illustrateurs, écrire de la poésie sur les illustrations. Personnellement, j'ai travaillé avec un chorégraphe et un musicien à propos d'un ballet, sur un ballet qui s'appelait Pour Gisèle, à partir du ballet Gisèle. Eh bien, j'ai quelques mots qui sont dans la musique, qui ont été prononcés, mais à part ça, j'ai fait un livret. J'ai écrit un livret à partir du livret de Théophile Gautier. J'ai recomposé autrement, et donc c'est une sorte de livre, d'ouvrage poétique, mais j'ai aussi, donc avec des musiciens, ça m'est arrivé de faire des textes, mais plus quand même des textes sur leur musique, et pas dans leur musique, pas tout le temps. Mais en gros, ça revient toujours au même, moi, c'est avec, mais c'est pas exactement... Ouais, je sais pas. Je pensais au travail qu'avait fait Manet avec Éluard, avec les dessins de Manet. Oui, oui, bien sûr. Ah, par contre, j'ai travaillé avec des peintres. On a fait une fois à Saube une exposition de peinture de Inge Frejvik. Et avec des poèmes, des textes, moi. Enfin, c'est des phrases, c'est même pas des poèmes. Pour moi, les phrases, c'est poétique, ça peut être poétique, voilà. Hein? Et donc, il y a des correspondances tout le temps. Bien entendu, on pense aux autres formes d'art en même temps. Hein? On a en permanence tel ou tel peintre, ou tel ou tel romancier. La peinture m'inspire beaucoup. Je viens de faire un poème sur une nature morte de Chardin, et puis je vais en faire d'autres parce que c'est vrai que il y a une correspondance, ça résonne. Et c'est une autre manière de traduire l'image. Voilà. Mais c'est compliqué, hein, parce que quand on aime vraiment une image, un tableau. Être à la hauteur. J'étais en train de penser à ce que tu disais, et j'aime beaucoup Chardin, je pense que ça peut donner quelque chose de très intéressant. Oui, alors en ce qui me concerne, mon compagnon est plasticien, et à l'origine de ce recueil, il y a un travail de collaboration entre peinture à l'encre de Chine et à l'encre et quelques textes que j'avais écrits. Alors on a réalisé ensemble une petite série de tableaux poèmes et à partir des textes de ce même recueil, un musicien a également composé des mélodies, les a mis en musique. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant, en fait, ce travail à partir des mêmes textes avec deux artistes différents qui ont chacun leur manière de procéder, leurs références, leurs univers. Voilà, ça c'était très intéressant.
Et je crois qu'on est quelques-uns à avoir eu ce type d'expérience, que ce soit avec des danseurs, que ce soit avec des plasticiens ou des musiciens, etc. Effectivement, il m'est arrivé, quand j'avais écrit des vers, moi aussi ça m'arrive d'écrire en vers, qu'un musicien, à ma demande, mette ça en musique, et puis après, quand c'était présenté sur scène, il y avait aussi une danseuse qui essayait de traduire en gestes cet univers poétique qui, au départ, était le mien. Et je dois dire, ça s'est appelé la cantate de Loul. Je dois dire que ça a été une des grandes émotions pour moi d'entendre mes textes mis en musique. Parce que c'était comme si quelqu'un d'autre était vraiment rentré dans un univers qui était le mien, et c'est très étonnant, et qu'il avait trouvé les sons justes, les mélodies justes, et en même temps ça lui appartenait. C'est bon, c'est très 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 rempli de plaisir. Oui, c'est ça. Si je peux citer un exemple précis, un peintre qui a exposé il n'y a pas très longtemps dans notre région, qui est assez connu sur le plan de la région Auvergne, qui s'appelle Claude Legrand, ne peut pas faire un tableau s'il n'a pas comme source d'inspiration ou la poésie ou la musique. C'était un ami intime de Bobin, donc la plupart de ses tableaux ont été inspirés par ce poète-là, mais pour lui, c'est véritablement c'est incontournable. Pour lui, un tableau, c'est quelque part la transcription automatique soit d'une poésie, soit d'un morceau musical. Moi, je voulais juste dire que ça m'est très très rarement arrivé, en fait, d'écrire à partir de peintures. Mais quand j'ai visité la grotte Chevet, j'ai été tellement impressionnée, j'ai tellement l'impression d'avoir fait un plongeon dans le cœur d'un Aurignacien. En tout cas, peut-être, je me suis imaginée avoir fait un plongeon dans le cœur d'un Aurignacien. Mais si vous êtes curieux, il y a un très long poème dans son monument qui est écrit à partir de ce que j'ai vu dans la grotte Chauvet. Voilà. Merci, Claude. Merci à toutes. Et à... Excusez-moi, j'ai une autre question qui sur le film, sur la notion de frontière. C'est la frontière entre la poésie et la politique, ça n'a pas du tout été... Je ne sais pas si vous y avez mis place. Pour moi, c'est fondamental. Quand dans l'image que j'ai de la poésie, dans l'image que j'ai du poète, c'est un choix politique de devenir poète pour moi. Alors, une démarche politique, enfin, consciente ou inconsciente. Merci. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de répondre et essayer d'être concis, parce que l'heure a vraiment tourné pour cette première partie. Donc, qui veut répondre, monsieur? Je pense en fait que, je ne sais pas, mais peut-être que dans les pays où la poésie est plus présente au quotidien, elle est peut-être aussi plus politique, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse que je fais quand je vois les textes qui sont traduits par un ami à moi qui s'appelle Laurent Bouisset, qui traduit beaucoup de poésie d'Amérique du Sud, et de textes qui sont très durs, qui font référence à des actualités brûlantes. Et je me dis que la poésie ne doit pas forcément être engagée, mais que c'est peut-être quelque chose que peuvent attendre sans le savoir les gens qui n'en lisent pas. En tout cas, pour moi, la poésie, comme la politique, tout est politique. Et voilà. Et je ne sais pas si ça peut être le mot de la fin, peut-être pas, si quelqu'un veut ajouter quelque chose, mais moi, je pense souvent à ce que René Picadou écrit au début de Hélène ou le règne végétal. Il dit « Ô poésie, écarte-toi de ton miroir. Je parle pour des jeunes gens et pour des hommes de tous âges. Je parle de ce qui m'arrive. » Je ne sais plus la suite, mais voilà. La poésie est faite pour nous parler à tous et pour nous parler de ce qui arrive. Alors, bien sûr, dans le message, je suis d'accord. Mais dans le fait de l'univers poète, ce n'est pas un acte politique, quelque part. Je me suis reposé cette question-là. Vous êtes d'accord pour nous. Mais un acte de résistance, alors. Voilà. Parce que... Je pense que... lorsque l'on parlait du...
du secret et de l'intime tout à l'heure, on n'était pas loin de cette question. C'est-à-dire pouvoir garder quelque chose de soi, un peu pour soi et pour quelques-uns, pour ne pas justement subir tous les pouvoirs qui aliénants qui nous entourent. Après, il arrive que des poètes aillent beaucoup plus loin. La poésie n'est plus seulement leur résistance, elle devient une sorte d'appel, d'appel à changer les choses. Ce sont des poètes politiques, engagés. Mais je crois que pour moi, le poète est surtout engagé dans sa propre solitude. Et c'est pas rien de s'engager dans sa solitude. C'est un acte de résistance. De résistance, oui. Oui, mais si je peux me permettre, là vous faites l'impasse sur les poètes officiels. Il y a quand même une poésie officielle qui a avec des milliers de poètes et qui ont eu au moins une aussi grande diffusion que les poètes résistants dont vous parlez. Chaque époque a eu aussi une poésie conservatrice et qui est au service des pouvoirs. Même si je n'ai pas notre conception de la poésie, ça existe. Oui, mais par exemple, Aragon a été un grand poète, complètement engagé. Oui. Pas officiel en un sens, le sens de son parti. Et je l'admire beaucoup, hein. Mais ça, moi, je ne m'y reconnais pas. Alors, je suis désolé, mais je vais être obligé d'arrêter cette première partie. Par contre, vous êtes tous conviés donc à un petit buffet juste derrière nous, là, quelque part, pour faire une pause. Et ce sujet-là, vous pouvez très bien le continuer. On a prévu ce moment pour qu'il y ait une proximité entre le public et les poétesses et les poètes. Donc, n'oubliez pas, si vous avez envie de continuer en buvant un verre, en grignotant, ça permettra qu'on ne coupe pas brutalement sur le sujet. Mais en plus, ce sujet politique, il est intéressant parce qu'on a pris trop de temps, mais c'était une question que j'avais prévu d'aborder. Et notamment, le fait que dans beaucoup de pays, mais c'est souvent des pays en crise, des pays en souffrance, où la poésie est un réel média. Voilà. Mais là, on ne peut pas s'étaler maintenant, on peut le faire en aparté au buffet si vous voulez. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'approcher ce côté politique de la poésie. Vraiment intéressant. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre participation, pour votre écoute. J'espère que vous restez tous pour le buffet à côté. On se donne une grosse demi-heure, trois quarts d'heure maximum, comme on a un peu déjà avancé sur le temps, mais une grosse demi-heure, ça serait bien. Et après, on se retrouve ici, et je vous rappelle que vous aurez donc là vraiment le cœur de la poésie de chaque poète. Ils auront chacun 10 minutes pour vous présenter la poésie qu'ils ont décidé de vous offrir ce soir. Voilà, merci.